Donc, on vous d'accord encore quelques minutes, là, alors, parce que je crois qu'il y, y a beaucoup de questions. Et... Donc, ouais. Euh... Je vais essayer d'accélérer quand même. Alors, voilà, que, que, en fait, la parole dit dans l'Hébreu que, que maintenant euh, Jésus intercède auprès du Père, en fait, et c'est vrai que ça peut porter à, à confusion. Donc, comment on peut comprendre ça, en fait, exactement, puisqu'on sait que, de toute façon, la Trinité, ça, c'est bah, faux. Mm -hmm. Comment comprendre ça en fait, que Jésus intercède euh, auprès, auprès du... du Père Je pense qu'il y a une voilà. autre personne, voilà. un autre être à qui il adresse ses, ses prières. Voilà. Tout ça, donc il faut comprendre que Yeshua est, euh, a toujours euh, le, le. Parce qu'il revient en tant que Dieu et en tant qu'homme aussi en même temps. Hein? Parce que Dieu est esprit. et Dieu en tant qu'esprit et Dieu n'a pas de pieds. Parce que l'esprit n'a pas de pieds. on nous dit que les pieds de Yahweh se poseront sur le mont des Oliviers. Donc là, Yahweh en tant qu'homme aussi. Hein, Dieu, mais homme, donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand il dit que personne ne vient au Père que par moi, le Père était où Quand il parlait comme ça. Parce qu'il dit que le Père est en moi. Donc en lui. Donc si le Père est en moi, donc pour aller à l'intérieur, il faut passer par là. Donc c'est le, le, le chemin. Donc euh, tu passes par ce corps-là. Tu vois, non donc ça, est le corps, là, on va dire, c'est Jésus-Christ, homme. Donc tu passes par là. Et euh, maintenant, ben, le, il, il intercède auprès du Père en tant que grand prêtre, là en tant que homme, en tant que homme. Voilà. Parce que Dieu ne prie pas. Donc là, il est dans sa fonction du grand prêtre en tant qu'homme. parce qu'il est venu en tant que, en tant que euh, euh, prophète et en tant que prêtre, grand prêtre, pour sauver l'humanité. Ça, c'est l'humanité de Jésus-Christ. Mmh. Voilà. Donc, la confusion par rapport au Trinitaire vient du fait qu'ils ont du mal à, n'est-ce pas, euh, ils font une mauvaise approche de la double nature de Yeshua. Om, 100% homme et 100% Dieu. Et si on dit que Jésus-Christ est 100%, ils le disent eux-mêmes qu'il est 100% Dieu. Comment peut-il dire que Jésus-Christ est 100% Dieu mmh. tout en disant qu'il y a un autre Dieu qu'on appelle le Père alors qu'on dit qu'en même temps, ils disent qu'il est 100% Dieu. Mmh. Mais s'il est 100% Dieu. Alors, l'autre Dieu, là, il est comment C'est quoi Quel pourcentage on va attribuer à cette divinité, à ce, ce Dieu-là Il y a un problème. Ouais, Donc, a euh, problème. Quand on dit 100%, c'est 100%, il n'y a pas d'autre pourcentage. Bah oui. Quand on dit 200%, c'est 200%. 200%. Hein bah oui. Donc, euh, 100% Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Père, il est le Tout-Puissant, il est Yahweh. Mmh. Et euh, maintenant, ben, le côté humain, mmh. le côté homme, c'est une, une fonction aussi qu'il exerce. Voilà. Amen. C'est ça mmh. Comment quelqu'un peut être à la fois l'eau et le feu? Et les deux avancent ensemble. Donc ce sont des fonctions qu'il qu exerce, tout simplement. Lyon et agneau aussi.